Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle version de mon porte-cam pour la plongée ou pour la prise de vue en extérieur. Alors celui-ci il est en PLA, comme c'était un prototype, il vient tout juste de sortir de l'imprimante. Ici nous avons deux tubes en PVC haute pression que j'ai acheté dans mon magasin de bricolage, que j'ai peint avec de la peinture métallisée spéciale ferronnerie. Et franchement ça tient, ça ne se raye pas, c'est vraiment très, ça accroche vraiment. Ensuite, on m'avait demandé de pouvoir fixer sur des accessoires en plus pour permettre un éclairage en profondeur. Donc voilà, j'ai fait deux petits capuchons avec un petit trou à l'arrière pour pouvoir y insérer un écrou M10, que ce soit pour le pas de vis Kodak ou pour le pas de vis classique européen. Comme ça, on pourra y mettre les deux et venir fixer facilement ces accessoires. Celui-ci s'emboîte en force. Mais une fois qu'il y est, on peut il y est quoi. Donc ben voilà, le prototype est là. Il se fixe simplement à la caméra par glissière. C'est un petit peu difficile parce que j'ai pas trop d'espace là, mais voilà. On peut sortir la caméra facilement et venir l'emboîter tout simplement. Ici, j'ai rajouté un petit niveau à bulle qui va nous permettre de pouvoir stabiliser plus facilement la caméra. Et comme elle possède aussi la rotation 180, on pourra aussi le tenir comme ceci et rajouter tout autant les accessoires au-dessus. Ici j'ai fait un trou où il y a un pas de vis, ici ouais, j'ai fait un trou où il y a un pas de vis M6 qui va pouvoir venir s'insérer dedans. Et ainsi on pourra la piloter ben, dans les deux sens. Hop et hop, encore une petite réalisation facile. Il m'a pas pris trop de temps, mais voilà, il a fallu faire quelques essais. Mais le résultat est plutôt sympa et j'ai fait des essais vidéo à l'extérieur et franchement la stabilisation ça n'a plus rien à voir quoi. C'est même mieux qu'une poignée parce qu'on est vraiment grâce au petit niveau qui se trouve ici, on sait vraiment qu'on est toujours stable et dans le niveau vertical ou horizontal. Donc voilà, c'était encore une petite modélisation bien sympa pour nos caméras M70. Allez, à plus, ciao.